Tom, t'aimes les bonbons? Ça dépend lesquels. C'est rien, moi. Les rouges, là, en forme de bouche. Ah, les bouches. T'aimes, toi? Ah, bah ouais, grave. C'est perdu, gros. T'as dit ouais. Bah non, parce que c'est oui ou non qui compte, hein. C'est pareil, là, c'est perdu. Allez, vaisselle à la poêle. Merde! Mitch. Mitch? Tiens, voilà le boss. Oh, ça va, arrête tes conneries, j'ai changé de bureau, pas de boulot. Ouais, ça c'est du taf, hein, de tringler Roxane. Hein. Ça suffit, je tringle personne. C'est toujours moi, sa voix. Chris. Bonjour, Roxane. Ça avance, le propelling? Le prop... Oui. Oui, je fais le maximum. Oui, c'est bien ce qui m'inquiète. Il m'en faut 5 d'ici ce soir. 5? Mais il va falloir que je bosse comme un bâtard, Tom, moi. Le bureau est vide, là-haut. Ne tardez pas trop. J'organise une petite soirée demain. Avec Roxane? Super, classez-vous bien. Tu sais, si elle est dure avec toi, c'est parce qu'elle te trouve inaccessible. Fous-toi de ma gueule. À ton avis, pourquoi est-ce qu'elle m'a fait changer de bureau? Et pour me parler de toi. Fous-toi de ma gueule? Si je te le dis. Bah... Attends. Qu'est-ce qu'elle faisait dans tes bras l'autre jour? Tu vois le câble, là? Bon, bah elle s'est pris les pieds dedans, elle a glissé, je l'ai rattrapé. T'es rentré. Mais tu sais pas un bâtard, celui-là! Les prises classiques. Putain! Putain, ça se tient. Et d'ailleurs, elle doit se sentir super honteuse, là. Elle se dit qu'elle t'a perdu, nanana. Et c'est pour ça qu'elle cherche à attirer ton attention en te gueulant dessus. Oh, la cochonne! Et donc, pour ma soirée, demain? Ouais, je suis chaud bouillant, là. Ouh, j'ai peut-être même une idée ou deux. Oui, Roxane. Oui? Oui, entendu. Je viens de me faire démonter. Cochonne. Alors? Il a marché? Comment ça, il a marché? Je lui propose une soirée, il dit oui, c'est tout. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche le ketchup. Sous la banquette. Mais oui, je suis sûr qu'il reste un sachet, là. Ça avec le grec. Et donc, c'est quoi la suite? La suite? C'est l'annulation. Y a pas de soirée, en fait. Quoi? Mais tu te fous de ma gueule? Chapitre du jour, apprendre à mentir. Ou pour toi, trouver une excuse. Mais merde, mais pourquoi? Parce que, monsieur, avant d'avoir les balls de dire non, hein, il faut savoir dire « Oh, c'est vraiment trop gentil, j'aurais adoré venir, mais là, je peux vraiment pas. » Tu piges? Et donc, c'est quoi le plan? Je l'appelle et j'annule? Dis donc, tu y vas, tu lui mens dans les yeux, hein. En plus, t'as toute la nuit pour trouver une excuse, hein. C'est bidon. Oh merde! Ketchup? Non! Mis la pizza. Mais ça réussit ça! File ton fut. En fait, pour ce soir, c'est annulé. Parce que ça me saoule. Ok, aucun problème. C'est ton droit, mec. Sans rancune. Bah, tu plaisantes, je te respecte carrément pour ça. Oh. Je te kiffe, mec! T'as pas bientôt fini de te foutre de ma gueule? Balance la vraie histoire. Vite. Vite. Bon. Mais t'es qu'un gros bâtard, toi! Ils ont décidé de débarquer, j'avais pu faire! Mais tu te rends compte de ce que tu me fais, là? Je suis désolé! Mais c'est qu'une soirée! Non, c'est pas qu'une soirée! C'est la soirée! Tu te rends compte de ce que t'as présenté pour moi? T'as pas d'autres soirées? Non! Non, j'ai annulé toutes les autres soirées, toutes! Mais t'es sûr que ça ferait chier tes parents? Ah ouais, je suis sûr, ouais, carrément, parce que mon père, il est du genre vénère, et même super vénère. C'est que partie remise, hein. Ouais. C'est tout? T'es quand même un gros bâtard! Bah ouais, là d'accord. Bon, l'excuse des parents qui viennent à la maison, t'es pas foulé, hein. Ouais, bah ce qui compte, c'est le résultat, hein. Ouais, peut-être, mais bon, tu feras mieux la prochaine fois, hein. Bon. Petite revanche à ni oui ni non pour la vaisselle. Bonsoir! Ça va, mon Tom? J'arrive pas trop tard? Chris m'avait pas dit pour l'heure. Pas du tout. Allez là! Viens là, que je te fous ta poêle! Bon
Roxane, vous voulez coucher avec moi? Bah, je sais pas. Ça te tenterait? Ah ouais, c'est sûr, ça... Perdu! Non, non, parce que c'est oui ou non qui... C'est merde! Eh, hey, on dirait qu'on est enfin seul. J'ai pas dit qu'il en restait un. Intrication, résonance, électromagnétisme de Wolff. Je suis en passe de créer la première théorie psychoquantique, la théorie des Wolff.